Salut tout le monde, je suis Mika Rob et bienvenue dans ce nouvel épisode de Final Fantasy IX. Dans le dernier épisode, nous avons contrôlé Jidan juste un petit moment dans le vaisseau. Je dis ouais, c'est dans le bateau quoi, mais c'est un petit vaisseau. On a combattu son patron, son chef, où ils doivent kidnapper la princesse Grenade. Grena ou Grenat, dites-moi dans les commentaires. Ensuite, nous contrôlions Bibi, ici présent plutôt, parce que Bibi pour l'instant, bon, je connais parce que ça fait quand même un petit moment que j'ai déjà joué, donc je connais quand même certains noms. Donc Bibi, ici présent, avait un billet pour assister au spectacle. Sauf que c'était un faux billet. Donc il ne peut pas assister au spectacle. Mais nous avons une personne qui est en haut là, du clocher. Un rat, un espèce de rat en tout cas, qui nous a pris, on va dire, sous son aile. Genre on est pas son esclave, mais on doit l'aider quoi. Et là le mug qui peut nous permettre de sauvegarder. Donc là on est go. Allez, si on se dépêche pas, on va rater le début de la pièce. Qu'est-ce que t'attends? Dépêche-toi! Hé, t'as pas le vertige quand même! T'inquiète pas, il suffit de penser que c'est par haut. Allez, on n'a pas le temps de se reposer. Quoi? Encore? Je te dis que c'est bon, c'est solide, ça tombera pas. C'est tombé. C'est rien, fais pas attention. Au fait, je t'ai pas encore demandé comment tu t'appelais. Et voilà, Bibi. Ah bah je laisse son nom moi. Ah, il a 9 ans. Je savais pas. Bibi. C'est marrant comme nom. Moi, c'est Puck. Attends, il y a quelque chose là-bas, je crois. Je sais si on peut passer par là. Allez. Bah, c'est con, là, quand même. Attends, on peut passer en arrière. Ah bah non, vu que c'est... Non. À moins que je puisse revenir là-bas, non? Je peux pas aller là. Ah, il y a un nid là. D'accord. Qu'est-ce que font 92 Jill ici? Je n'en dirai pas plus. Je comprends pas pourquoi je peux pas aller là-bas. Ah, je peux descendre. Ah, oui, d'accord. C'était en bas. J'avais pas vu. Là. Et 63 Jill ici. D'accord, on va pas se poser de questions pourquoi des djils sont dans des nids là. Il y a rien ici. Allez, on est go. On est enfin arrivé. Après ce mur, on sera dans le château. Allez, on y va. Oh là là, ça rappelle vachement de souvenirs. Franchement, même si ça date et que les graphismes, tout ça,
Mais c'est franchement, moi j'adore comment c'est fait là. J'aimerais bien qu'il fasse un peu comme Final Fantasy VII. Qu'il le remasterise, enfin, qu'il le refond de A à Z. Ça serait bien. Mais qu'il fasse pas genre un épisode par an ou tous les 2 ans ou un truc comme ça. Stener! Salut! Non, elle sourit toujours pas. Très chers spectateurs, la pièce que nous allons jouer devant vous nous vient d'un très lointain passé. L'héroïne de cette histoire, la princesse Cordelia et son amant Marcus sont sur le point d'être séparés. La princesse décide alors de fuir le château familial, mais elle est ramenée devant son père, le roi Lear. La pièce de ce soir commence alors qu'ayant appris cela, Marcus envisage de tourner son épée contre le roi Lear. Et à présent, Votre Majesté, vous, princesse Grena, noble assistance et vous qui nous regardez du haut des toits, je vous demande d'applaudir très fort. Il a tué son père et sa mère, et à présent, il veut briser son amour. Ah, quel malheureux, pauvre Marcus. Quel espoir tiendra en vie, je vais pas lire, ça passe vite là. Pour notre ami, nos lames auront-elles une raison de l'ex... Ah! Oui! Ça va vite là, c'est pas moi qui contrôle. Nous voici, compagnons. Laissez-le-moi. C'est impossible. Il a assassiné mes frères. N'approchez pas, vu misérable vaurien. Nul ne résiste à ma vaillante épée. Ceux qui la font disparaissent dans les ténèbres. Roi Lear, voilà la douleur qui... Ah! Et ressent sa France. Ça va trop vite, ça va trop vite. C'est parti. Ça va, c'est des petits combats, donc là, pas besoin de... Zéro. Ah, ça fait rien. C'est bon. Jamais tu n'auras mon pardon, Marcus. Arrête! Pourquoi m'arrêtes-tu, Frank? Didane, reprends-toi. Si la princesse Cordelia épouse le prince Shenander, nos deux royaumes vivront enfin en paix. Cesse tes plaisanteries. Il n'y aura pas situation plus malheureuse de par le monde. Ah oui, là, ça va être moi, je crois, normalement, qui doit contrôler après. Ah.
C'est parti. Puisque c'est ainsi, nous nous battrons. Je n'entendais pas moins. Alors, appuyez sur ce que vous indiquez. Parmi les touches ci-dessous. Ok, d'accord. Ça va vite là. C'est assez simple, on va dire. Non ! C'est bon. C'est simple, mais faut aller assez vite. C'est bientôt fini là ? C'est bon. Nous finirons ce combat une autre fois. Je ne te laisserai pas fuir. Sur 100 spectateurs, 78 ont apprécié. Ah bah ça va, c'est pas mal. Apparemment, la reine Branette n'a pas aimé. Oh. Ils en redemandent. On recommence le combat ? Non. Vos permanents vous rapportent 495 gis, c'est pas mal. Spam, ouch. Pong, arg. T'as fini de te changer, dit Dan. Non, mais mon masque pue un peu. Et alors, le mien aussi, et pas qu'un peu, tu peux me croire. Et puis l'armure est trop petite. Il y a un truc qui me gêne dans le dos. Les bottes sont trempées. Les gants sont poisseux. Les poches sont pleines de miettes de biscottes. Ça va, j'ai compris. T'as pas oublié ce qu'on devait apporter ? Bien sûr que non. Pour qui tu me prends ? C'est quoi ça ? Ok, je vais mettre le somnifère dans la tasse de la princesse. Et moi, je vais donner son cadeau à sa majesté la reine. Héhé, ça a l'air d'aller. Ils dorment comme des bébés. Château d'Alexandrie. On fait le point. La loge royale est en haut de cet escalier. J'ai compris. Ils en sont bientôt à la scène où Marcus s'introduit chez Cordelia. Le travail doit être terminé avant la fin de la pièce. Ok. Je peux retourner. Ouais. Je fouille. Capitaine. Ok. Et toi? Ma maman. Ok, d'accord. Alors. Non, il n'y a rien en fait ici. On peut y aller. D'autres à dire. Allez, on y va. Ok. Attention. Didane, voilà quelqu'un. Planque-toi. Quelque chose à signaler? Non, tout est normal. Très bien. Continuez votre ronde. À vos ordres. Donc là, on y va. Oups. Qu'est-ce que... C'est quoi ce déguisement? Pardonnez-moi, mais... Pourriez-vous me laisser passer? Hein? La dévisager. C'est qui, ça? Aurais-je quelque chose sur le visage? Non, mais... Je me demandais si c'était pas toi que j'attendais. Pardon? Vous m'attendiez? Ouais, depuis ta naissance, j'ai toujours su qu'on se rencontrerait ici. Vous jouriez-vous de moi? Je... Non, pas du tout. Alors, je vous prie de m'excuser. Attends, on s'est pas déjà rencontrés? Non, je... Ah bon. Et puis, non. Je vois pas pourquoi je laisserais filer une jolie fille comme toi. Au fait, tu serais pas... Didiane, qu'est-ce que tu fais?
Je... Pfiou. Pardonnez-moi. Qu'est-ce que... Qui c'est? Reste pas là, c'est la princesse. Quoi? C'était prévisible. C'est horrible. C'est horrible. C'est dramatique. Sa majesté ne va pas être contente. Dépêchons-nous, dépêchons-nous. C'est horrible, c'est horrible. Attends, je vais faire une voix. C'était pas par là. Je sais bien. Vraiment? Vrai de vrai? J'en doute. Vous n'avez pas à en douter? Pour l'instant, allons voir Sa Majesté. Ce n'est pas par là. Je le sais bien. Vraiment? Vrai de vrai? J'en doute. Vous n'avez pas à en douter? Hâtons-nous d'aller voir Sa Majesté. Votre Majesté! C'est une catastrophe! Elle ne veut voir personne. Revenez plus tard. Est-ce urgent? Exactement! Je dirais même c'est une urgence... urgentissime! Alors, je vais m'en occuper. Oh oui, s'il vous plaît! Rah, vite! Mêle-toi de tes affaires! Alors, de quoi s'agit-il? La princesse! Est introuvable! C'est horrible! Je vois. Attendez-moi là. Je regarde la... Attends. Je regarde la pièce. Revenez plus tard. C'est que... La princesse a disparu. Voulez-vous... Attends, pardon. Vous voulez dire qu'on ne l'a pas vue depuis un certain temps? Il semble qu'elle soit partie très vite avec le pendentif du trésor national. Comment? Mais à quoi pense-t-elle? Général Beat, à vos ordres. Ah oui, et puis... Stenner. Je laisse les noms, franchement, pourquoi les changer? Capitaine Stenner, à vos ordres. Retrouvez Grenade et vite. À vos ordres, à vos illustres ordres. Brutus! Rassemblement! Hein? Pourquoi personne ne vient? Capitaine Stenner! Brutus au rapport! Quoi? Imbécile! Vous êtes que deux! Où sont les autres? C'est quoi se laisser aller? Aux ordres de Sa Majesté! Habillez-vous et retrouvez la princesse! Alors c'est sûrement vrai. Ah ouais? T'es toujours au courant de tout. Je vous ai dit de chercher la princesse, et qu'est-ce que vous faites là? Capitaine, Wemmer sort avec Perrine, la serveuse de la taverne. Je veux pas le savoir. Allez chercher la princesse. À vos ordres. Oh là là. Ah, un mug. On sauvegarde. Allez, on sauvegarde. Mug post. Je vais t'expliquer le mug. Bon, on s'en fout. Ok, d'accord. Je m'en souvenais plus ce que c'était. Et on va aller là-bas. Non, on peut pas. On doit retrouver la princesse, vite! Une personne en blanc serait passée par ici tout à l'heure. Non! C'est pas maniable. Parce qu'on peut pas aller droit.
Une personne... Ok, tu lui répètes la même chose que l'autre. Ah, j'ai faim. C'est toujours ce que vous avez à savoir dire. C'est pour ça que tout le monde se moque de nous. Bougez-vous un peu. Je veux bien me taire si je peux avoir à manger. J'ai faim. Ok, d'accord. Attention, y a rien à récupérer. Ah, attention. Allez, on va manger un petit peu. Bon, on s'est plaint de l'autre, mais bon. Notre cuisine est la meilleure du monde. Bon, ce sera pas facile de refaire les voies. Au bout d'un moment. Mais m'en voulez pas si je refais que la même voix, quoi. Genre. Reviens ici, toi! Il y en a vraiment beaucoup. De quoi? Y'a rien à faire là. Rien. Allez. On va de l'autre côté. Les cuisines. Ah! Ça me fait pleurer. Plus vite. C'est grosse langue. Enfin, c'est pas grosse langue de là. Je crois que c'en a un autre. On chôme pas ici. C'est en fait, ça sera le même personnage. Mais il aura un autre nom, quoi. C'est chaud, ça brûle. La cuisine, c'est la base de tout. Est-ce qu'il y a quelque chose à choper ici? Non, que dalle. Alors, on y va. Allez. Attends, je vais essayer d'aller là pour choper le mec là qui... Ah d'accord, mais on peut pas le chauffer en fait. Si? Ah! Vite! Ah, je peux pas. Bon bah pas grave. Allez. On va ici. Là c'est la bibliothèque. La princesse veut que je lui apporte des livres sur les chimères, mais il y en a beaucoup. Nous n'avons pas encore vu la princesse aujourd'hui. Comment dire? C'est pas pour vous alarmer, mais elle s'est barrée. Elle a pris ses clics et ses claques et elle est partie. Je crois que c'est comme ça qu'on dit. Hein. La princesse, comme vous le voyez, elle n'est pas ici. Moi, je sais. Où est donc le manuscrit? Je veux être ton oisillon. La princesse veut que je lui apporte. Cette érasphère a été donnée par notre ancien roi en l'honneur de la naissance de la princesse. Je me demande comment va Toto. Il était le précepteur de la princesse. Toto, il faisait que des blagues, lui. Non. Je suis devenu militaire, mais je préfère passer mes journées avec les livres. Capitaine, je veux quitter les Brutos. Sûrement pas. Tu viens à peine d'y entrer. Arrête de te plaindre et va chercher la princesse. Ah! Bon, bah j'aurais peut-être dû lui dire... ok, quoi. Mais bon, c'est Stenner, quoi. Alors... Quoi? On dirait que la pièce a du succès. Mais si je ne retrouve pas la princesse, avant la fin, Sa Majesté va entrer dans une rage folle. Et Beat et ses troupes vont encore se moquer de nous. Présent. Vous êtes Monsieur Stenner des Brutos? Je suis nouvelle, enchanté. D'accord, donc elle a du respect pour nous. Je n'ai pas vu la princesse, mais il y a deux Brutos qui sont passés en courant. On va être de ce côté-là. Non! Mauvaise manip. Je n'ai vu personne. Il a aucun nom, lui. En même temps, c'est normal. Ils vont pas donner des noms à tous les personnages qu'on rencontre. Hein. Même les brefs personnages, quoi. Comme eux, quoi.
tu veux pas venir t'amuser à traîneau avec moi? Je ne sais pas. Ah, qu'est-ce que tu fous? Qu'est-ce que tu fais? Ouais, c'est la même chose, quoi. Va chercher leur princesse, plus vite que ça. Oui, à vos ordres. Les Brutos nous invitent souvent, c'est assez gênant. Ok, d'accord. Non, on peut pas aller par là. Alors, on y va. Ah! C'est par là. Je me demande si c'est ça va venir à l'endroit que je me demande en fait. Ah, ah, j'ai plus de souffle. Ah. Capitaine Sener, vous aussi vous allez là-haut pour garder la forme? Non, non, et non, je cherche la princesse. Elle ne serait pas là-haut par hasard. Je sais pas, je pensais monter jusqu'en haut, j'ai plus de souffle, j'en peux plus. Ok. Oh là là là. C'est où là? Ah, je pensais qu'on avait... Non, c'est bon, je pensais qu'on allait encore monter. J'en peux plus. Non, je n'ai pas le droit d'être fatigué. Je dois chercher la princesse. Il a repris ses vêtements. Ah, là-bas! La princesse! Poursuivi par un brigand, je viens à votre secours! Oui, c'est changé, il a enlevé l'affaire des gardes. Sayonara! Oulé! Boum. Raté. Hey, où elle est passée? Ici. Ouch. Ok. Attends, on est là-bas, on sait jamais, on peut peut-être trouver quelque chose. Non, on trouve rien. Boum boum boum, ça tombe au retour. D'accord, ok. On va pas leur parler. Hey, viens là. Ah, qui êtes-vous? Un instant. Dites donc vous. Vous m'avez bousculé. Vous pourriez vous excuser? Veuillez me pardonner, je suis très pressé et... Ah, mais c'est que je dois bientôt entrer en scène, moi. Rien ici. Hop. Jidan, attends un peu, j'ai quelque chose à te dire. Cette fille est une calamité. C'est ça, c'est ça. Mais là, je dois lui parler. Stop! Qu'est-ce que tu veux dire par là? Ruby, on verra ça plus tard. Non mais, je dois kidnapper une princesse. Pas autre chose à faire là. Enfin j'ai autre chose à faire. J'ai pas autre chose à faire, ça veut rien dire là. Dans ce contexte là, c'est... Non. Ça y est, vous vous êtes calmé. On n'a pas vraiment suivi le plan, mais on l'aura quand même enlevé. Vous faites partie de cette troupe. Et voilà, elle l'a deviné. Peut-être le savez-vous, mais... En vérité, je suis... Grenate, dit Alexandros, princesse d'Alexandrie. J'ai une requête à vous présenter. Ne pourriez-vous pas m'enlever sans délai? Quoi? C'était pas prévu, ça? Princesse, où êtes-vous? Ah, il vient par ici. Je suppose que vous avez vos raisons. Faites-moi confiance, je m'occupe de tout.
Merci, je vous en serai reconnaissante. Princesse, à présent, ayez l'obligeance de nous laisser vous enlever. Qu'est-ce que tu fais? Par ici, vite! N'ayez pas peur, princesse, c'est Sina, un ami. Ah bon? Veuillez pardonner l'effronterie de ma surprise. C'est vrai qu'avec une tête pareille, il surprend pas que vous. Quoi? Tu peux parler? Je me lève tous les matins, moi. Princesse! Allez, suivons-le. La cesténaire? Princesse! 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 Princesse? Princesse! Princesse! C'est maintenant que t'arrives, toi! Pardon. Princesse! Il arrête de gueuler, oui. Bon, c'est moi qui gueule, mais bon, c'est gris en grosses lettres. Hé, Sina, c'est une impasse par ici. Hé hé hé, tu crois ça? Hop! Et voilà! C'est moi qui l'a fait. Princesse! Allez, tout le monde là-dedans, vite! Ils auraient pu refermer en même temps, hein, ça aurait été plus simple. La princesse sera dans ce trou. J'y vais. C'est Franck, donc il fait semblant. Ah, qu'est-ce que tu fais? Capitaine, je peux plus bouger. Ah, imbécile! Il a rien vu. C'est que vous êtes agile, princesse. Je pourrais bien tomber amoureux. Je me suis entraîné pour fuir le château. Jusque-là, ce n'était pas trop difficile. Vous étiez vraiment pas faite pour être princesse? Non, nous en reparlerons plus tard. Allons-nous-en. C'est parti. Le palais est là. On y va, là. Et maintenant, que faisons-nous? Le spectacle est bientôt terminé. Attends. C'est pas par là. Enfin, c'est pas par là. Je fouille. Y'a rien ici? Ça sert à rien qu'ils fassent des endroits où on trouve des trucs quand même. Allez. Oups là. Stop! Princesse, n'ayez crainte. Stenner est venu vous sauver. N'ayez pas peur, princesse. Parfait, Brutus. Ça, c'est du travail d'équipe. Tout va bien. Votre enlèvement se passera sans problème. Quoi? Qui es-tu? La princesse. Et sous notre protection, surveillance et voilà. On pouvait pas tout dire en même temps. Ah, ces musiques de combat m'ont manqué. C'est parti. L'adresse que vous avez... Ah d'accord, excusez-moi, j'ai pas eu le temps de lire. Bon, lui, il a une force d'attaque... faible. On va voler, attaquer. Ça varie en fait, 2, 16, 20. Non, on peut pas fuir. D'accord, ça c'est pour fuir. C'est parti. C'est tout? Ah non, c'est tout ce qu'il me reste à faire. Voilà. Je me suis fait avoir. La bonne blague. Bon, voilà.
Vite, c'est le moment. C'est aujourd'hui qu'on marie ma fille Cordelia aux princesses Schneider. Ainsi, le prince deviendra mon vassal et le royaume de Satoun sera à moi. Ah 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 ah! Bon, c'était un rire diabolique, hein, si vous n'avez pas entendu. Nous avons arrêté ce suspect. Oh, mais qui voilà? Nous serons. Ne serait-ce pas Marcus? Serais-tu donc toujours amoureux de Cordelia? Bah, quand bien même Cordelia serait-elle toujours amoureuse de toi? Elle n'épousera jamais quelqu'un de ton espèce. Quand les cloches auront sonné par 3 fois, je te ferai disparaître à jamais. Nous ne pouvons pas... Attends, nous ne pouvons aller plus loin. Qu'allons-nous faire? C'est ennuyeux. Jidan, prends la numéro 2. Compris. Princesse, par ici. Ça ne se passera pas comme ça. Ouais, t'as, il te l'a fait vandinguer. Encore un coup. Princesse, faites comme si de rien n'était. Tiens, où je suis là? Cordelia! Comment? C'est Marcus, votre amant. Marcus! C'est ça, impeccable. J'ai toujours aimé le théâtre. Continue à jouer, la reine Bradette nous regarde. Marcus, je désespéré te revoir. Je ne veux plus te quitter. Emmène-moi au bout de semble. J'arrive même plus à parler, moi. Roi Lyre, accepte. Ah non, Roi Lyre, accepte. Reprends-toi. Voilà. Roi Lyre, acceptez leur amour. Jamais. Ah, tu ne veux plus le quitter. Jamais je ne t'y autoriserai. Cordelia, tu épouseras le prince Schneider. N'est-ce pas, prince? Qui? Moi et la princesse? Tuez-les tous! Boum, boum, aïe! Ils sont trop forts, fuyons! C'est bien joué. Cordelia, rentre avec moi au château. Jamais, je ne veux pas. Cordelia! Cela suffit, ne me contrarie pas. Si je veux ce mariage, c'est pour toi, comprends-le. Je ne te laisserai pas faire, Lyre. Revois là le temps des impôts, en mémoire de mes parents et pour Cordelia. Tu vas goûter à ma lame. Ah, pourquoi? Marcus, pardonne-moi. Mais cet homme est toujours mon père. L'autre, il est à fond dedans, hein, Stenner, hein, il y croit. Hein. Père, pardonnez-moi mon égoïsme. Et pardonnez à Marcus. C'est impossible. Je n'entendrai donc plus la voix de Cordelia. Je ne casserai plus sa peau si douce. Je caresserai plus sa peau si douce. Ma vie n'a plus aucun sens. Marcus! Ouah! C'est si beau! Ouah! J'en pleurerai! Tu pleures déjà? Mais au fait, où est Grenade? Ouah! Sniff, sniff, ouah! C'est vraiment bien. Oui. Maintenant, il faut encore rentrer par les toits. Ah zut, on y va. Vous êtes là, arrêtez-vous. Bibi, lève-toi. Imbécile, mais dépêche-toi. Si je vous attrape.
Si tu l'attrapes, ouais. Pardonne. Pardonne à ton père. Princesse. Pardon. Stop. Gare à toi. Venez pas. Ah. Zidane, c'est l'heure. Les tantalas se retirent. Princesse, on s'en va. Qu'est-ce qu'il se passe? Je ne comprends plus rien. Stenner, cela suffit. Arrêtez de me suivre. Capitaine, qu'est-ce qu'on fait? C'est impossible, je ne peux pas. Ce que vous pouvez être obstiné parfois. Laissez tomber, on s'en va. Princesse! Hé, hey, ça va, t'as rien? Ça va, je suis juste un peu sonné. Assommé. Rah, arrêtez la princesse! Ah! Trois déjà réunis, Bibi, Jedan, Grenade. Illusion, est-ce que ça va marcher sur eux? Météor. Rasier. Ça marche pas. Invoqueur. Ah, je peux pas pour l'instant, bah oui. Elle a déjà tout ça. Soin, c'est juste pour voir ce qu'elle fait avec soin. Enfin, je m'en rappelle plus, c'est juste pour revoir. C'est pour revoir comment elle fait déjà. C'est beau. Stock, c'est quoi ça? Je sais pas trop, mais... Ah, c'était critique, là. Ah, oh, il se barre. Je peux vraiment invoquer personne? Bon, on y va, hein. Tout ça pour ça. Paré au décollage. Ah, je dois appuyer, c'est vrai. Bien. Paré de notre côté aussi. Très bien. En avant toutes. Ça fait manga, je trouve. Un peu en y regardant bien. Oups. Désolé. Oula. Ça me rappelle le canon de dans le film, là. Avec World, je crois, son nom. Ouais, c'est pas qu'il a un monstre derrière lui, je crois. C'est qui ça, Stenner? Attends, maintenant c'est qui attaque là? Ah, c'est Jidden. On peut pas attaquer l'autre? Non, on peut pas. Hey. Mais je t'assure, il y a quelqu'un derrière toi.
Ça lui fait rien. Donc. La succube. J'aime bien les pauses qu'ils prennent. Pantagruel. Ouais mais non. Oups. Envoyez-nous une facture de fait de réparation. Elle est pas contente. On va s'écraser. Ah ouais, quand même. Bon, là, normalement, ils sont tous morts, là, non? Pour une... Avec une explosion pareille. Cette gamine, va. Dire que je la voyais encore comme une gamine, je ne l'imaginais pas aussi téméraire. Pile. Face. Ils sont encore opérationnels? Bien sûr. Ils sont mieux de leur performance. Faut-il tuer la princesse Grenade? Qui parle de la tuer? Il faut la ramener vivante. Avec une explosion pareille, franchement... Ça devrait être tout détruit. Hein. Aïe, aïe. Ça va, Sina? T'as rien? Moi, ça va. Mais le Prima, Vista, c'est autre chose. Il a fallu qu'on s'écrase juste quand ça devenait intéressant. Jusqu'à maintenant, personne n'est sorti d'ici vivant. Chef, ça brûle en bas. Ça flambe de tous les côtés. On s'en sort pas. J'ai pas le temps de m'occuper de broutilles pareilles. Réfléchissez 2 minutes et éteignez-moi ça. Et n'oubliez pas d'évacuer les blessés. À vos ordres. Et sortez aussi toute la marchandise, les armes et tout ce qui peut être utile. Si jamais ça brûle, on pourra plus sortir d'ici. Compris, chef. Sef. Pas chef, Sef. Aha. Éteignez vite ce feu. Je pourrais pas tout transporter si... tout seul. C'est un mec, ça. Ah oui. Qu'est-ce que vous faites? Dépêchez-vous, tout va brûler. On a cherché partout, mais on ne trouve pas la princesse, je te le dis. Si ça se trouve, elle est passée sous le vaisseau, je te le dis. Perdre une princesse qu'on vient d'enlever, c'est un coup de se faire prendre. Allez, vite, il va me falloir une sauvegarde, là. Jidan, je savais bien que t'étais vivant. Quelle idée aussi de sauter de l'aérothéâtre en plein vol. J'ai été éjecté, et les autres, ça va? T'en fais pas pour nous, on a l'habitude des coups durs. Le seul problème, pour le moment, c'est qu'on trouve pas la princesse. Activen, l'icône AT est apparue. ATE, Activen Time Event, c'est le nom d'un système qui permet de voir ce qui se passe ailleurs au même moment. Coupeau. Quand l'icône apparaît en bas à gauche, il suffit d'appuyer le combo. D'accord. À partir du moment où l'icône apparaît, vous pouvez appuyer sur...
n'importe où ou n'importe quand. Ok. Vous allez bien? Il va revenir. Ah, attention! Allez, c'est parti. Alors, bon, c'est ici que je vous laisse. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Likez bien fort la vidéo si c'est le cas. Partagez avec vos, partagez avec vos amis. Oh, je me répète là. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous retrouve dans un nouvel épisode. Ciao, ciao. Because I know I'll kill my enemies.